Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps du tout, c'était samedi dernier. Enfin, toi au moment où tu verras cette vidéo, ce sera un peu plus tard. Mais sache actuellement, je travaille avec une école et je les aide à recruter des élèves de façon à ce que ceci ait le meilleur parcours possible sur leur cursus scolaire. Et tu sais très bien, si tu as déjà été en école d'ingénieur, que tu passes toujours un petit test psychotechnique, un petit test d'anglais, une petite présentation des différents cursus qui te sont proposés par l'intermédiaire de cette école, ainsi qu'un petit entretien technique. Et moi, je suis justement en charge de cet entretien technique parce que. Bah, voilà, c'est moi qui ai les compétences dans ce domaine-là, et ça peut les aider à bien choisir, aussi bien pour l'apprenant son parcours que pour l'école, de façon à bien le mettre au bon endroit. Et en discutant avec l'une de ces personnes, elle est en train de m'expliquer qu'elle était en mathématiques, enfin tout du moins qu'elle avait pris une filière mathématique assez avancée, alors je t'avouerai que je suis pas trop au courant de ce qui se passe en, en termes de parcours pédagogique dans le milieu mathématique euh, au niveau lycée, mais néanmoins voilà, elle était dans les mathématiques, elle faisait des mathématiques toute la c'est enfin, sa spécialité. Et concrètement, elle était en train de se justifier, euh, comme quoi elle n'avait pas forcément un niveau mathématique extrêmement élevé. Et ce qui l'inquiétait, bah, c'est de ne pas pouvoir se faire recruter pour redevenir... Développeur. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu te dis que ben, c'est exactement la même chose. Que tu n'as peut-être pas forcément un bon niveau en mathématiques. Peut-être que euh, tu te dis que ton niveau de mathématiques est trop faible pour devenir développeur et que devenir développeur c'est extrêmement complexe. Eh bien, j'ai envie de te rassurer. J'ai envie de te rassurer parce qu'en fin de compte, c'est totalement faux. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau en mathématiques extrêmement élevé. Et là, je vais me mettre à dos toutes les personnes qui ont fait des années mathématiques et qui font du développement informatique aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te donner mon point de vue dans ce domaine-là, et encore mieux qu'un point de vue, je vais te donner aussi mon expérience. En tant que développeur, après 20 ans de développement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu as un niveau, euh, on va dire, orienté fin année collège, tu vas pouvoir devenir développeur. Tu vas pouvoir développer des applications diverses et variées parce que la plupart des applications, que ce soit des applications web, que ce soit des applications mobiles, ne demandent pas un niveau excessivement complexe pour pouvoir justement avoir besoin de mathématiques avancées. Donc si tu veux devenir développeur web et proposer par exemple des sites qui sont orientés, alors, soit des sites vitrines, le cas extrêmement simple, le plus simpliste possible, mais si tu veux développer des sites un peu plus complexes, comme par exemple, je sais pas, de la gestion multimédia, euh, recréer euh, Deliveroo, créer un réseau social niché, eh bien tes compétences de collège en termes de mathématiques vont être Largement suffisante. Pourquoi Parce que dans ces différentes mathématiques, tu auras très certainement appris les bases des mathématiques avec des inconnus, c'est le fameux x égal à b plus y multiplié par z divisé factorisé de x et x ou y, et les bases en géométrie nécessaires pour pouvoir comprendre et calculer une surface, etc. etc. Et ça, c'est largement suffisant pour développer. La plupart des applications qui existent aujourd'hui sur le web. Si on reprend les mathématiques traditionnelles, tu vas faire de l'addition de panier, Une personne a acheté un t-shirt à 18 euros, plus je ne sais pas, des chaussettes à 2 euros, tu fais l'addition des deux et hop, c'est rangé, tu as le prix du panier d'ordre global. Donc ça, c'est des mathématiques que tu vas pouvoir appliquer régulièrement. Si tu veux faire par exemple de la, du positionnement de différents éléments sur une interface mobile, par exemple, ça va être de la géométrie de base, notamment tu as une surface qui fait tant de pixels, et dans cette surface-là, tu veux positionner ton carré à 20 pixels en bas et 20 pixels à droite. Par exemple, ça c'est de la géométrie de base, c'est pas c'est pas compliqué et c'est pas un niveau extrêmement élevé. Alors bien évidemment, si tu veux commencer à partir sur, je sais pas, par exemple de l'intelligence artificielle ou de la modélisation de données, effectivement les mathématiques un peu plus poussées, notamment celles du lycée et notamment celles des lycées un peu plus, tu vois, avec les orientations mathématiques que tu peux avoir, vont devenir intéressantes pour toi, vont devenir un facteur déterminant pour toi et tu vas pouvoir t'orienter dans ce secteur-là. Et encore une fois, si tu veux concevoir par exemple des jeux vidéo, des jeux vidéo assez complexes, là je te parle de jeux vidéo qui sont plus axés sur de l'orientation spatiale avec différents éléments derrière, effectivement peut-être que des mathématiques un peu plus avancées vont te donner un coup de pouce. Le gros problème c'est qu'on voit le développeur comme une personne en train de faire des trucs vraiment chelous et extrêmement touchy avec son clavier et un écran noir sur un terminal. Mais dans la réalité, c'est pas du tout ça. Un développeur, c'est une personne qui va savoir se débrouiller, qui va savoir rechercher l'information là où elle se trouve. Un développeur, c'est une personne qui va, d'ordre global, aller rechercher les informations, par exemple sur Stack Overflow, qui est un petit peu la bible du développeur quand il a un petit problème et qui va prier son problème, son bug sur ce site-là, de façon à pouvoir résoudre son bug le plus rapidement possible. Un développeur, c'est une personne qui va savoir s'organiser, qui va savoir architecturer son application. En fin de compte, le plus gros problème que tu peux avoir en tant que développeur, c'est savoir par où commencer quand tu vas développer, par exemple, un projet, et savoir comment t'organiser au sein de ce projet-là, comment pouvoir avancer, comment pouvoir structurer tes différents fichiers, comment pouvoir organiser, en fin de compte, tout ça, quand tu vas commencer à avoir un projet qui va devenir de plus en plus conséquent, C'est ça les différents problèmes que tu vas pouvoir rencontrer en tant que développeur. Et si tu regardes bien dans ce que je suis en train de te dire, c'est principalement des compétences aussi bien d'organisation que de structure dont tu vas avoir besoin. Et pas forcément des compétences avancées en mathématiques. Encore une fois, j'ai pu euh, avoir, et j'ai eu l'occasion, et c'était extrêmement enrichissant, de faire un petit peu d'intelligence artificielle. Et effectivement, l'intelligence artificielle, on parle de réseaux de neurones, euh, on parle de formules mathématiques qui peuvent ext être extrêmement complexes. Et au final, j'ai pu créer mon premier réseau de neurones avec quelques difficultés, bien sûr. Et comment est-ce que j'ai fait ben, Je me suis tout simplement organisé, j'ai tout simplement été rechercher les informations là où elles étaient. Je suis monté un petit peu en compétence sur certaines form formules mathématiques un peu plus touchy ou un peu plus complexes. Néanmoins, euh, ces différentes compétences d'organisation ont été beaucoup plus importantes, impactantes, sur mon avancée et sur ma réalisation de réseaux de neurones que euh, de simplement avoir de la formule mathématique. Ce qui m'a permis de transformer un certain nombre de choses, notamment plutôt que de réinventer une énième formule mathématique que j'aurais peut-être mis des semaines, voire des mois à essayer de comprendre ou à essayer de formuler, eh bien j'ai préféré m'orienter sur différents frameworks qui te permettent d'aider et d'accéder justement à aux résultats que tu souhaites avoir. Et ça concrètement, c'est grâce à d'autres personnes qui vont avoir des compétences peut-être plus avancées en mathématiques que toi tu ne peux l'avoir. Néanmoins, toi en tant que développeur, toi en tant que personne qui n'a pas forcément

un Niveau de mathématiques extrêmement important, et eh bien tu peux atteindre tes objectifs grâce à des ressources qui sont existantes sur internet. Et encore une fois, ça fait référence à de l'organisation de la recherche qui va être principalement ton travail de développeur. Alors, si vraiment tu as envie d'aller beaucoup plus loin, justement dans ce milieu du développement, si tu as envie d'en apprendre beaucoup plus, je suis en train de préparer un programme. Un programme actuellement qui va être disponible uniquement que pour une poignée de personnes. Tu as un lien dans la description, tu vas pouvoir cliquer dessus et t'enregistrer. Dans quelques instants. Mais avant de t'enregistrer, sache que ce programme-là n'est pas encore prêt, il n'est pas encore finalisé. Il va me falloir très certainement plusieurs semaines pour pouvoir le mettre en place et pour pouvoir faire en sorte de pouvoir t'aider à devenir un développeur web et mobile et principalement avec deux grandes technologies phares du marché actuellement qui sont Flutter, qui te permet de développer aussi bien des applications web et mobiles, voire même plus d'ailleurs, parce que tu peux aussi créer des applications de bureau, et en même temps Firebase, qui est un service qui va te permettre d'obtenir une base de données, de pouvoir créer des API, de pouvoir faire du push notification, de pouvoir maîtriser l'analytique de tes applications quand celles-ci seront déployées. Et tout ça dans un cadre professionnel où tu vas avoir absolument toutes les facettes du développement informatique, toutes les facettes du développement d'une application de A à Z. On ne va pas s'arrêter simplement sur le fait de t'apprendre à développer une application de A à Z comme tu peux retrouver sur Idemi. L'idée, c'est vraiment de te faire rentrer dans un cycle complet de plusieurs centaines d'heures de formation je sais pas encore parce que comme je te le dis j'ai pas fini de tourner euh, toutes les toutes les vidéos et d'ailleurs au moment où je te parle même je suis sur le plan pédagogique global euh, de ces différentes formations mais on va voir énormément de choses dans ces différentes euh, parties là je vais pas tout te dire dans cette vidéo parce qu'encore une fois c'est un projet qui est un peu secret ce que je peux te dire c'est que dans la description tu as un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer et derrière tu vas avoir une page d'inscription qui t'explique brièvement ce dont tu vas t'attendre à avoir derrière. Mais au-delà de ça, l'objectif justement de cette inscription, c'est de pouvoir te permettre toi de recevoir des conseils complémentaires sur Flutter, sur le développement d'applications web et mobiles d'ordre global. Je t'ai préparé un certain nombre de conseils que tu vas recevoir directement par mail et que j'envoie régulièrement, quotidiennement, pour pouvoir t'aider, ne serait-ce que déjà, sans, sans avoir accédé à ce cycle de formation, commencer à prendre en main toute la psychologie que tu peux avoir sur le développement d'applications web, sur le développement d'applications mobiles, sur les différentes technologies que tu peux maîtriser dans ce cadre-là. Et tout ça se trouve dans la description. Et pour terminer, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochains conseils que je vais t'envoyer dans les prochaines semaines. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao bye.